juste d'introduction, je vais vous lire un petit texte en allemand qui s'intitule Die Schwarze Pest, que vous pouvez retrouver le long de ces alcôves ici présentement, qui dit « Die Schwarze Pest ist eine Epidemie, die sich von 1348 bis 1351 in Europa ausbreitet. Sie hinterlässt wirklich einen tiefen Loch, dann laute Jean Froissart. Einen Chronisten dieser Zeit würde ein Drittel der Bevölkerung von dieser Sicht dahin gerafft. Diese handschlechte Krankheit, die vor dem Rattenfloh auf den Menschen überträgen und übel sieht, eine durch den hundertjährigen Krieg an durch Industrie genutzte Stufe Frankreich Rouen wir später weiter spichteln durch Schweden. Voilà, petit texte introductif qui va conforter le fait que, bien souvent, on a vu au travers des différentes expériences, les rendez-vous de la cervelle ont cette faculté d'anticiper les choses, d'être en résonance avec le monde. Et ce texte qui nous parle de la propagation de la peste noire dans le milieu du 14e siècle, 1348-1351, est complètement en résonance avec ce que nous venons de vivre et avec le moment présent qui est un moment, bien sûr, de libération. Qui plus est, je dirais, dans un endroit comme celui-ci, puisque ici, c'est un des hauts lieux de l'épidémie, de l'épidémisme. Rouennais, puisque beaucoup de personnes ont été enterrées ici, et nous les saluons. Nous les saluons, car grâce à eux, nous pouvons être en résonance à la fois avec le passé et l'actualité. Double résonance que je raccorde en demandant à Sébastien Belair de bien vouloir venir ici, puisque aujourd'hui, dans cet endroit de l'Être Saint-Maclou, qui est un endroit qui est un ossuaire, hein, faut le savoir que ici c'est un ancien ossuaire, il y a donc des crânes, donc un contenant, et Sébastien qui est là. En chair et en os, si on peut l'applaudir, il va nous parler du contenu, le cerveau. J'ai envie de dire bingo, 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 et cette configuration entre le sachant et les sachets ici étant, bien sûr, les crânes qu'il va falloir remplir de savoir du sachant, eh bien, nous t'attendons, nous te glorifions, les cloches sonnent pour te souhaiter la bienvenue, Rouen t'embrasse. Je te fais un gros bisou, Sébastien. Voilà le micro. De quoi allons-nous parler, mon chéri? Je me parlais des petits trucs comme ça pour te décontracter. De tout ce que tu veux, bonsoir. Merci beaucoup de votre accueil. Ben voilà. Voilà, les cloches, pour toi. De quoi on parle? Notre cerveau, notre cervelle? On peut parler de la cerveau. C'est ce qu'on avait annoncé. Ouais. Maintenant, si tu as d'autres sujets plus passionnants, les gens sont ouverts ici. On peut parler de ce que tu veux. Si tu as des trucs sur les coléoptères, on peut changer. Tout à l'heure, on était prévu d'être là. On s'est mis ici. Tout à l'heure, ça va encore changer. On est complètement ouvert. Mais apparemment, on est quand même venu sur le cerveau. Ouais, sur le cerveau. Un peu de cerveau avant le foot. Hein? Un peu de cerveau avant le foot. Avant le foot. Ouais. On y va? Enfin, on y va. Ouais, bah, on peut parler aussi de l'avenir de notre planète. De notre espèce, allons-y. De l'humanité, allons-y. Puisqu'on a un bon avant-goût de ce qui nous attend. De ce qui nous attend. Voilà. Désolé. Ouais, tu as lu le dernier rapport du GIEC? Alors, vite fait. Ouais. J'ai vu que c'était pas effectivement sous les meilleurs auspices. Non, ça a fuité. Enfin, c'est le travail préliminaire du rapport qui doit être publié en 2022. Avec les, quand même la substance hein, de ce qu'ont analysé les climatologues, les géologues, les spécialistes de la démographie. Bon. Et en fait, le processus de réchauffement climatique et d'érosion de la biodiversité et d'appauvrissement des sols et des réserves d'eau et des réserves de poissons, tout ce processus qu'on avait commencé steak. À... Le steak de bœuf, le steak de veau. Ouais, il y a de la pénurie de steak en vue aussi, ouais. Non, mais il y avait le dernier rapport, il y a
il y a quelques années, en 2014, hein, qui étaient déjà très alarmistes, mais là, ils sont passés à la vitesse supérieure, en disant, en fait, les 2 degrés des accords de Paris, ce ne sera pas suffisant. C'est-à-dire que même si on fait des efforts comme des malades, là, pendant 10 ans, pendant 20 ans, bah, les enfants qui naissent maintenant vivront dans un monde où ce sera quand même très, très, très dur. Est-ce que ça veut dire que maintenant, il faut tous s'acheter des Tesla ? Non, surtout pas, parce qu'une Tesla par humain sur Terre, c'est tout qui explose. Non, en fait, c'est pas du tout une solution. Alors, on se dit que ça évite de polluer avec des énergies fossiles, mais en fait, le bilan écologique des voitures électriques est aussi quand même très lourd pour l'environnement. Ce sera certainement pas accessible à tous. Non, il faut repenser tout. On va rouler en Zoé quand même. En Zoé ? Bah, imaginez 8 milliards de Zoé, non, c'est... En termes de prélèvement des ressources naturelles, rien que pour construire des voitures, c'est pas tenable, non. Mais bon, on est dans l'idée que si on fait de l'électrique, ça va épargner les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas tout à fait vrai, non. Mais je sais pas s'il faut aller sur ce terrain-là. Moi, mon propos, c'est plutôt d'analyser pourquoi on en est là. Et pourquoi, en fait, là, on a très bien vu ce qui s'est passé pendant un an de Covid. On a beaucoup ralenti, en fait, notre train de vie. On a beaucoup moins voyagé, on a beaucoup moins consommé. Ça a été d'ailleurs une grave menace qui a pesé sur les économies de nos pays. Et en fait, avec ce train de vie très, très réduit, on a réussi à baisser nos émissions de gaz à effet de serre de... Combien de pourcents ? Je crois que c'était 45, je crois. 7%. Donc on a l'impression d'avoir fait des efforts gigantesques, alors qu'en fait c'est une baisse minime, mais en fait il faudrait continuer à baisser de 7% tous les ans pendant 10 ans pour tenir les accords de Paris, qui seraient même pas encore suffisants, donc un Covid par an pendant 10 ans. Ça montre bien à quel point on est accro en fait à nos modes de vie à l'ancienne, où on pouvait consommer autant qu'on voulait, sortir, voyager à l'autre bout du monde, s'acheter un nouveau téléphone tous les ans. Et la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renoncer à tout ça pour préserver les générations futures. Et moi, je vais chercher la cause dans le cerveau humain. Voilà, c'est ça mon travail. D'accord. Tu l'as cherché. Comment tu as fait ? Tu as pris un cerveau, tu as assassiné quelqu'un dans la rue, quelqu'un qui allait faire ses courses, qui avait par exemple son sac plein d'iPhone avec une commande chez Tesla. Tu as découpé le cerveau, tu as regardé l'intérieur ou tu as fait ça de manière un peu plus soft ? Oui, on n'a plus besoin d'ouvrir les cerveaux pour voir comment ils fonctionnent maintenant. D'accord. Il y a quelque chose qui s'appelle l'IRM, l'imagerie cérébrale. D'accord. Où on peut voir ton cerveau s'allumer, par exemple, si tu t'achètes un iPhone. Ou si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu reçois plein de likes. D'accord. Ou si tu t'achètes une nouvelle voiture. Ou tu si... peux voir que mon réseau... Ouais. Mon... On voit qu'il y a toujours la même partie de ton cerveau qui va s'allumer. D'accord. Et qui s'appelle le striatum. C'est au milieu de ton cerveau. D'accord. Dès que tu as du plaisir... Par là ? Non, au centre. Là ? Là, tu es encore en surface, il faudrait plonger ton doigt au centre. Ah oui, non, en fait. Voilà, vraiment au centre. Ça. Voilà. Et à chaque fois que tu as du plaisir, tu as ton striatum qui t'envoie une molécule qui s'appelle la dopamine et qui fait que tu es content. Et le problème, c'est que ce truc-là, ce striatum, c'est une partie de notre cerveau qui est très très ancienne, hein, qui nous vient des petits singes et même avant, les premiers mammifères, il y a 150 millions d'années, ils avaient déjà un striatum. Et qui leur donnait du plaisir et de la dopamine quand ils faisaient quoi ? C'est très simple, hein. Manger, se reproduire, des relations sexuelles, avoir du statut social de pouvoir dans un groupe. Ça, c'est très important, ça donne beaucoup de dopamine. Hein, quand tu as une promotion, tu hisses un peu au-dessus de ton collègue. Ou quand tu as une grosse voiture qui te donne l'impression d'avoir du statut social, là, ton striatum, il est dopamine. Voilà. Ou alors, quand tu fais moins d'efforts. Par exemple, tu t'achètes une voiture pour aller au travail plutôt que d'aller à pied ou en vélo quand il pleut. Voilà. Ton striatum te récompense aussi. D'accord. Ou aussi, quand tu cherches des informations autour de toi. À chaque fois que tu te connectes à une chaîne d'information continue, ou que tu fais scroller ton smartphone pour regarder les news, ton striatum aussi te donne de la dopamine. Parce qu'en fait, il faut voir que pendant des millions d'années, ça nous a aidé à survivre. D'accord. Quand tu étais dans un homo erectus, un homme préhistorique dans la savane, tu trouvais de l'information, des traces d'animaux dans la boue par exemple, information,
savoir si c'est une proie ou un prédateur, c'est très important. Donc là, tu as une prime à l'information dans un milieu naturel, mais dans un milieu naturel, il y avait peu d'informations. Tu te promènes dans la forêt, tu vois, il y a peu d'informations. Par contre, aujourd'hui... Attention, tu sais que, par exemple, si tu regardes la croûte des arbres, tu peux voir que du côté nord, il y a de la mousse. Voilà. Là, c'est ton striatum d'Homo erectus qui se réveille. Et moi, quand je vois de la mousse aux arbres, j'ai mon striatum donc, qui fonctionne. Ouais, parce qu'il est assez sensibilisé au milieu naturel. Mais ça, c'est une information que tu as captée. Mais dans le monde technologique, qui est le monde moderne d'aujourd'hui, tout est fait pour des informations partout, en boucle. Tu peux passer ta vie à regarder les infos, si tu veux. Et ça, à chaque fois, ton striatum va te donner de la dopamine. Donc ça fait qu'on va consommer des bagnoles, des téléphones, des réseaux sociaux pour avoir du statut social. Est-ce que plus l'info est tragique, plus le striatum est conforté? Est-ce que on est plus excité par une mauvaise nouvelle qu'une une bonne nouvelle? Alors oui, mais là, c'est pas le striatum. Là, c'est l'amygdale. D'accord. Là, c'est autre chose. Qui rajoute de la peur. D'accord. Ou qui donne une prime supplémentaire à l'information. D'accord. Restons sur le striatum. Alors, voilà, on a ce vieux système préhistorique là, qui a été un avantage pour notre espèce, pour survivre. C'est parce qu'on voulait manger, qu'on partait à la chasse, qu'on allait tuer le mammouth. Voilà, parce qu'il faut expliquer aux gens ici qu'avant, tout n'a pas toujours été comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours eu des routes, il n'y a pas toujours eu des voitures. Avant, je veux dire, on vivait dans la nature. Avant, les êtres humains vivaient dans la nature, n'avaient pas des baskets, n'avaient pas des sandales. Les gens vivaient avec des croûtes de peau sur eux. Ils avaient des maladies extrêmement difficiles. Ils avaient des cheveux longs. Il n'y a pas de rasoir à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est important de préciser ça. Et que... Déjà, à l'époque, il y avait un cerveau qui fonctionne. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il fallait aller à la chasse, donc à plusieurs. Oui. Il fallait tuer le mammouth. Il fallait mieux être avec des copains, des bons potes. Il fallait être avec des potes. Et surtout, une fois que tu avais tué le mammouth, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'emmener à la grotte pour le faire cuire. Oui, si on veut. Et surtout, il fallait en manger beaucoup, très vite, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Ben oui, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Ouais. Donc si tu voulais survivre, il fallait pouvoir vraiment te goinfrer. Et donc notre striatum, il s'est habitué pendant des millions d'années à manger le plus possible quand l'occasion se présente. Ah oui, d'accord. Voilà. Il n'a pas de fonction stop. Il n'est pas fait pour s'auto-limiter. Voilà. D'accord. Et donc ce striatum, il s'est mis en place sur des millions d'années. Donc les gènes aussi de notre espèce se sont conformés comme ça, se sont organisés comme ça. Et maintenant, ça ne peut plus être modifié parce que l'évolution des gènes est beaucoup plus lente que l'évolution des sociétés. Donc on est arrivé d'un seul coup dans une société moderne, bourrée de moissonneuses-batteuses, de McDo, de moyens de production de la bouffe, avec un striatum qui, lui, avait été mort de faim pendant 2 millions d'années. Donc lui, continue. Merci les hommes préhistoriques. Voilà. Merci. Merci, ouais. Mais en même temps, on ne peut pas se plaindre parce que s'il n'avait pas été comme ça, on ne serait pas là. Ouais. Donc c'est le revers de la médaille. Mais bon... Et le problème de ce truc dans notre cerveau, c'est qu'il veut manger en boucle et qu'il n'arrive pas à s'arrêter. Donc quand on lui met des hamburgers, des paquets de chips, des Coca-Cola, il a envie de cruncher. Voilà. Il mange, donc ça donne de l'obésité. On sait pour la première fois depuis que l'humanité existe qu'on meurt plus des conséquences du surpoids et de l'obésité dans le monde que de la faim dans le monde. Voilà. Donc ça montre exactement le problème, c'est que ce striatum n'a jamais été habitué à s'auto-limiter. Il arrive avec une société pléthorique, avec un bouffer sans limite, il ne peut pas s'arrêter, donc on devient obèse. Et surtout, on consomme tellement, on est 8 milliards à manger toujours plus, ça donne une agriculture industrielle. Dis donc, t'as pas honte, toi là, Didier, t'entends pas ce qu'on dit là? Tu te sens pas coupable de donner à manger comme ça aux gens, de les rendre obèses? On est en train de parler d'un truc grave, et toi tu gaves les gens. Mais pour qui tu te prends? Enfoiré! Et t'es tout seul avec des complices! Je suis gêné, pardon, excuse-moi, j'avais envie de matérialiser. Non, après, on pourra parler du débat entre qualité et quantité, justement, parce qu'il ne faut pas non plus accabler les gens qui font du bon travail. Mais. Donc, le bilan net carbone pour notre planète, c'est que l'agriculture aujourd'hui est responsable de un quart des émissions de gaz à effet de serre. Ah oui? Ah oui, ça pèse très très lourd, c'est la première cause. Et c'est dû à cause des moissonneuses-batteuses Ouais, tous les appareils qui consomment énormément.
carburant, effectivement. Et puis les engrais aussi. Ah, sont un facteur c'est de pas libération des animaux. Le méthane aussi. D'accord. Voilà, les vaches, oui, les pets de vaches, c'est très très puissant. Les gaz à effet de serre. Et on n'arrive pas à s'arrêter parce qu'on se dit à chaque fois ben ouais, il faudrait que je commence à manger un peu plus de poireaux, un peu moins de viande de bœuf, mais il y a ce vieux programme qui est là, qui fait qu'on a du mal à décrocher. Et je vais prendre la même chose, le deuxième grand besoin, parce que je reprends moi mon Homo erectus que tu aimes bien, qui regarde la mousse sur les arbres. Lui, il veut manger parce qu'il est codé pour survivre, d'accord ? Mais pour survivre, il faut, une fois qu'on a mangé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut transmettre ses gènes. Il faut se reproduire, tu vois. Voilà, donc il faut avoir des relations sexuelles. Et là encore, le striatum, lui, son boulot, c'est d'inciter les humains à avoir des relations sexuelles. Et pour ça, il a de la dopamine. À chaque fois qu'on a une relation sexuelle, si ça se passe bien, on a de la dopamine. D'accord. Et ça, ça fait qu'on ne s'est jamais arrêté de génération en génération. Heureusement, c'est très très fort, ce système-là. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la partie intelligente du cerveau qui s'est développée dans Homo sapiens. Et Homo sapiens, c'est le dernier, c'est nous, ouais. Les intelligents, là. On a un cortex qui s'est développé, la partie extérieure du cerveau, la partie plissée, la cervelle. Hein. Donc ça veut dire qu'il dit, effectivement, relation de reproduction, dit séduction. Oui. Qui dit séduction, dit apparat, coiffeur, shampoing. Pour les dames, parfum, montre en or pour les garçons, voilà. Rasté, grosse voiture. Voilà, et tout compris. Voilà. Donc là, le cortex, il invente plein de choses qui coûtent savon, qui coûtent très très cher à notre planète, pour satisfaire le besoin de séduction. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il a inventé, le cortex cérébral, il n'y a pas très longtemps, un truc fantastique qui s'appelle Internet. Bon. Il a inventé Internet, il a inventé quoi ? Et ben, notamment les sites de rencontres et les sites pornographiques. Et le striatum. Ah bon ? J'étais pas au courant. Ah bah, c'est. Voilà. Ça n'a l'air de rien. Mais le striatum, lui, qui. Il a été assoiffé de sexe pendant des millions d'années, quand même. Dans la savane, c'était pas si facile. Hein. Ouais. Il arrive devant des écrans où il peut cliquer en boucle sur des vidéos. Ah bon ? Et il n'arrête plus. Il n'a jamais été programmé pour se limiter. D'accord. La règle de la sélection naturelle, c'est celui qui a le plus de relations sexuelles qui fait mieux passer ses gènes. Donc il y a une compétition pour ça. Donc lui, il sait toujours plus. Et il arrive dans ce monde où il y a des vidéos où il suffit de cliquer. Ben, il n'arrête pas. Et les chiffres, c'est que l'humanité consomme 136 milliards de vidéos porno par an. Ça, c'est 30% du trafic numérique sur Internet. Combien de 30 ? Ouais. Ah ouais. En quantité d'informations, parce que la vidéo, c'est lourd. Voilà. Et 136 milliards de vidéos par an, c'est très très lourd. Et donc, ben voilà, donc ça tourne en boucle. Et puis ce striatum qui, lui, n'a jamais été programmé pour se limiter, n'arrive pas à s'arrêter. Et le numérique, le secteur du numérique, il faut quand même souligner qu'il a dépassé le secteur aérien pour l'émission de gaz à effet de serre. Donc ce petit besoin, initialement tourné vers la reproduction de la vie, aujourd'hui, est en train de creuser notre tombe. D'accord. Parce qu'effectivement, le fait de produire de la formation, tout ça, ça consomme du énormément. Oui, on dit que c'est dématérialisé, mais pas du tout. Il y a toujours un impact carbone derrière. On ne nous le montre pas. Il est là. Le troisième grand besoin, c'était le besoin de statut social. Tu prends un petit homme préhistorique dans son groupe là, d'une cinquantaine d'individus. Plus il est important, mâle alpha, plus il a quoi ? Ben, de la nourriture et des partenaires sexuels. Et des likes. Oui, ben là, avant les likes, il y avait la renommée. Donc... C'est-à-dire que quand il passait comme ça, il regardait. Donc, y a une prime au statut social en termes de dopamine. À chaque fois qu'on avait du statut social dans un groupe, on était récompensé par de la dopamine. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une promotion dans une entreprise, à chaque fois qu'on grimpe un niveau social en politique, par exemple, c'est pour ça qu'ils ne peuvent jamais s'arrêter. Il y a des études qui montrent que plus on a un pouvoir politique important ou un poste à responsabilité dans l'entreprise, plus on a un gros striatum. D'accord. Donc on libère de la dopamine. Mais là, il y a un piège. C'est qu'en fait, le striatum, c'est un petit vicieux. C'est-à-dire que, mettons par exemple, tu as une promotion demain. Ouais. Tu es content, tu as de la dopamine, tu te sens important, tu fais la fête et tout. Sentiment d'exulter comme ça. Mais ça, c'est un shoot de dopamine au début. Mais au bout de quelques jours, on va voir que la dopamine diminue. Et au bout d'une semaine ou deux, ou un mois ou deux, ça dépend, tu ne ressens plus rien. Et tu as déjà envie d'une autre promotion. Tu vas recommencer à reluquer le salaire du voisin.
Tu vas, c'est pareil, si tu achètes une nouvelle voiture au début, oh, c'est fantastique, ça. Les boutons partout, les options. Ah, et puis au bout d'un moment, non. Et puis au bout d'un moment, ça fait plus rien, donc il faut déjà aller chez le concessionnaire pour regarder le modèle suivant. C'est pareil pour les smartphones, c'est pour ça qu'il y a tous les ans un nouvel iPhone 18. C'est pour le striatum. D'accord. Il se lasse très vite. Voilà. Donc ça, ça fait consommer. Et il y a le principe de croissance qui est derrière. La lassitude entraîne le besoin d'augmenter les doses pour avoir de nouveau de la dopamine. Donc ça, on le voit, hein. Si tu mets une électrode dans le neurone d'un striatum d'Homo sapiens, tu vas voir que si tu lui donnes un nouveau téléphone ou des nouveaux likes sur son réseau social préféré, ouais. Et ben les neurones donnent de la dopamine. Par contre, au bout d'un moment, s'il garde le même nombre de likes ou le même téléphone ou la même paire de baskets, et ben la dopamine s'épuise, le robinet est coupé. Et le seul moyen pour en récupérer, c'est d'augmenter les doses. Donc c'est de retourner sur les réseaux sociaux, c'est de retourner chez le concessionnaire, c'est de retourner dans la boutique Apple, et c'est ça qui fait tourner le monde. C'est-à-dire qu'il y a une croissance économique aujourd'hui qui épouse le besoin de croissance de notre cerveau. C'est un peu le même problème. Parce que moi j'ai eu le problème avec la MDMA. Je prenais beaucoup de MDMA au début, enfin j'en prenais très peu au départ, ouais, et ça me donnait beaucoup de métallique, et en soirée j'étais très très très, très, très joyeux. Ouais, et au bout d'un moment il m'en fallait 2, 3, 4, 5, et maintenant j'en suis à il m'en faut une trentaine par soirée pour passer une bonne soirée, sinon je trouve que c'est des soirées de merde. Et je m'ennuie. Ouais. Et je suis obligé d'augmenter les doses, de trouver toujours une MDMA encore mieux que mieux. Et là, t'as pris combien ce soir ? Alors, j'en ai pas pris parce que je suis pas en soirée. Dès qu'il y a de la musique, il faut de la musique et il faut des cocktails, il faut des choses comme ça. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce striatum ? Il nous rend aussi addict à l'info continue. Ouais. Vous savez qu'on parle d'infobésité. L'infobésité, c'est l'infobésité. L'équivalent pour l'information de l'obésité. Et c'est le fait qu'on passe son temps sur nos écrans à vouloir se renseigner sur plein de trucs qu'on oublie tout de suite. Ouais. Parce qu'il y a juste le petit shoot de dopamine qui fait qu'on y retourne, mais on oublie tout, on s'en fout complètement, mais c'est de la distraction, et il y a des gens qui passent leur journée simplement sur les chaînes d'infos continues, sur leur fil Twitter. Il y a un terme qui a été inventé, le terme scroller, c'est-à-dire faire dérouler son menu. Ils sont infinis, hein, ces menus numériques, là. Mais ça maintient le striatum artificiellement vivant. Et évidemment, c'est une catastrophe écologique. Et on ne pense pas au futur. Alors pourquoi on ne pense pas au futur ? Parce qu'on est des punks. Ouais. Ça, c'est la version rebelle. Et une version plus simple, plus cérébrale. C'est que cette machine à plaisir... Oh, Dark Vador ! Il nous a fait Dark Vador, là. Il fait Dark Vador ou quoi ? Avec des cheveux. Ah, il est beau. On voit presque le striatum au milieu, là. Tu connais l'expérience du marshmallow ? Non, pas du tout. L'expérience du marshmallow, on peut la voir sur YouTube, elle est assez drôle. Ça a été inventé au départ pour tester la force de volonté des enfants. Un enfant, tu lui donnes une friandise, un marshmallow, et tu lui dis, t'as envie de le manger, ouais, forcément. Mais je te propose un truc. Tu résistes pendant 3 minutes. T'attends pendant 3 minutes, tu ne le manges pas, et t'en auras 2. Donc là, il y a un dilemme pour le cerveau de l'enfant. Et chez l'enfant, le striatum est déjà bien mature, alors la partie plus... la volonté n'est pas encore mature. Il y a un dilemme, c'est soit du plaisir tout de suite, soit un peu de plaisir tout de suite, soit plus de plaisir plus tard. Donc ça suppose à renoncer à des choses instantanées. Alors, il y a à peu près 80% des enfants, ils craquent, ils prennent le marshmallow, tant pis. Mais il y en a quelques-uns qui résistent parce qu'ils ont en tête le futur. Et nous, si tu réfléchis bien, on doit aujourd'hui renoncer à des plaisirs instantanés pour préserver une qualité de vie plus tard. Voilà. Et malheureusement, les adultes fonctionnent un peu comme les enfants, c'est-à-dire qu'il y a 80% des adultes dans ces tests-là, quand on le fait non pas avec des marshmallows mais avec de l'argent, qui préfèrent un plaisir moins fort tout de suite, quitte à renoncer à des choses plus importantes plus tard. Ça s'appelle la dévalorisation temporelle. Le fait que notre système... La fontaine a fait beaucoup. Ouais. Avec un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. C'était sur quelle fable, celle-là ? Le plaisir instantané. Le poisson et la cigogne. Un
tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'était le renard et la cigogne. C'est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Cette leçon vaut bien un fromage. Le poisson gêné porta sur sa tête une cigogne, s'en allait à la ville, si bien qu'à la fin il ne creva. Donc c'est la maxime. Mais cela dit, c'est très bien de passer par la fontaine et les animaux, parce que là encore, ce réflexe est une aide à la survie. C'est-à-dire que, bon, je reviens à mes vieux Homo erectus, si dans la savane tu tombes sur une proie et que tu te dis je vais attendre, non, tu meurs, c'est fini. Il faut tout de suite prendre ce qui se présente. Et ça s'est ancré en nous. Et donc l'avenir, on se dit, ben, on verra. Même le rapport du GIEC qui nous dit il y aura des pénuries d'eau en 2040, il y aura des centaines de millions de migrants climatiques, il y aura des conflits militaires partout. On se dit, ben ouais, ben, c'est pas tout de suite. On a encore le temps de se faire un café, de faire la fête, on va manger, on va faire une boîte de bois. Et on va mourir de ça. On a un problème pour imposer la sagesse du futur au plaisir du présent. Ça, c'est quelque chose qui passe par une éducation, qui passe par le développement d'une autre partie du cerveau, qui s'appelle le cortex préfrontal. Le préfrontal, c'est ce qui est à l'avant du cerveau, là, au-dessus des yeux. Et ça se développe par une forme de volonté, par la résistance aussi à des tentations. On est dans un lieu, bon, aussi, on peut... La question qu'ont fait les religions, par exemple, pour essayer de faire des humains plus que le striatum. Et on a été, en fait, éduqués, on est né dans un monde qui nous a dit au contraire, non, prends tout de suite ce qui te permet de jouir sans entrave. Et c'est très difficile de faire le chemin inverse. Parce que pour faire le chemin inverse, il faut récupérer le pouvoir de la volonté sur l'instinct. Et ça passe, on le sait grâce à l'imagerie cérébrale, tu me posais la question, par des neurones, c'est-à-dire des cellules nerveuses du cerveau, dont on voit les prolongements, ça s'appelle des axones. C'est comme des câbles qui vont relier le cortex préfrontal au striatum et qui vont permettre à la volonté d'éteindre l'envie primitive du moment. La capacité d'attendre, de résister, ça passe par ces neurones-là. Et ces neurones-là, pour se développer, ont besoin d'entraînement. Et l'entraînement, ça commence dès le plus jeune âge. Quand un enfant qui a envie de se jeter sur des bonbons ou sur sa PlayStation en rentrant de l'école, on dit « Attends un petit peu, pas tout de suite. » Et quand il doit attendre, il va muscler ces fibres-là. Et il va devenir un adulte qui plus tard sera maître de ses pulsions, de ses envies, qui saura mieux se contrôler. Et toutes les études montrent que ça donnera un adulte plus équilibré, plus heureux. Donc il y a l'enjeu quand même de reprendre le contrôle du striatum par le cortex préfrontal. Ça passe par une éducation chez les petits. Et puis ensuite, chez l'adulte aussi, parce qu'il y a des adultes qui se lâchent aussi, qui se disent « Bon, j'en ai bavé petit, maintenant... j'ai de l'argent, j'ai une bagnole, j'ai un téléphone, je fais ce que je veux, je consomme. » Non, c'est toute la vie. Et là, c'est l'enjeu. C'est pas seulement pour être une personne équilibrée, c'est pour ne pas vivre l'enfer sur Terre dans 30 ans. Alors, je te propose que nous mettions en pratique la chose, et que face à toute cette auditorat qui a soifé, qui est très stramisé au niveau de son cerveau, d'en savoir un peu plus, qu'ils attendent un peu, et que nous laissions la place à Jérémy, qui va nous faire fonctionner notre socle préfrontal. Vous avez vu comment j'ai bien... J'ai assuré, hein, sur...
Sert à faire fonctionner notre striatum. Didier ou Gwen, qu'est-ce qui s'est passé au niveau culinaire aujourd'hui? Tu peux nous raconter tout ça? C'est dur.
On a essayé en arrivant de faire comme une espèce d'étincelle cérébrale avec du gingembre, parce que ça titille, ça ouvre tout, puis on le garde tout le temps. On va le garder longtemps. Et puis après, dans le petit pot façon fast-food, où on a tout dedans en même temps, on a mis un bout de cervelle qui était symbolisé par le chou-fleur, on a voulu faire ça. Puis tout le bazar qu'il y a au milieu, qu'il peut y avoir, ou n'importe quoi. Et c'était en l'occurrence un petit peu d'épinards, un petit peu de petits pois. C'est la recherche, c'est de chercher. Il y avait de l'épeautre, il y avait du sarrasin, il y avait plein d'épices et puis tout ça. Et puis un petit verre de vin rouge quand on va se quitter, et puis les causes perdues, parce que rien n'est perdu, donc on a fait du pain perdu. Et puis on s'arrête là. Bonjour. Et toi Fabrice, sinon ça va? Pas trop d'idées noires? Wow. Ça va, ça se passe bien? Pas mal. Bonjour. Bah oui, ça va. On est dans quoi là? Je ne sais pas trop, mais c'est le lieu qui m'inspire. D'accord, bah ouais, ça c'est. Voilà. J'ai passé 5 ans, c'est merveilleux. Ouais. C'est l'école des Beaux-Arts avant. Ah, d'accord. Donc, je vous écoute. Ah ouais, d'accord. D'accord. On voit bien le cerveau. On voit bien le cerveau là. On voit bien le cerveau. Ouais. On dirait des boules de diamant. Alors, donc, grosso modo, combien de temps il nous reste, d'après ce que j'entends, avec ce triathlon, combien de temps il nous reste à vivre? Bah, là, la nouveauté dans le rapport du GIEC qui a fuité, c'est que, bon, on est dans la sixième extinction, c'est-à-dire il y a eu 5 ans d'extinction d'espèces depuis que la Terre existe. La dernière, c'était celle des dinosaures, 65 millions d'années. Quatrième, qu'est-ce qu'il y a eu avant? J'étais pas au courant. C'était d'autres. Des gastéropodes, des extinctions d'insectes, des extinctions massives du précambrien. C'était tous les poissons des océans. Enfin, il y a eu plusieurs. D'accord, ok. Ouais. D'accord, okay. Et là, on est dans la sixième. La nouveauté, c'est que c'est quand même notre œuvre. C'est la nôtre. Hein. C'est nous qui sommes responsables de ça. Donc, belle fierté d'Homo sapiens. Et là, la nouveauté quand même, c'est que bon, il y a à peu près... une espèce qui s'éteint toutes les 20 minutes par la faute de l'être humain. D'accord. Et qu'il y a un moment où cette perte de biodiversité va entraîner des effondrements, par exemple, dans la vie des sols, dans les cultures, avec des chutes de rendement, beaucoup de retentissements sur la vie de l'homme. Et ce qui ressort du dernier rapport du GIEC, c'est que là, ils disent « Ok, il fera peut-être 60 degrés à Paris en 2100 ». On a mesuré 81 degrés dans le désert du Sonora il y a un mois au Mexique, quand même. Record absolu. 10 ans de plus que le dernier record. 10 degrés de plus. Il fera peut-être 60 degrés en 2100 à Paris. Bon, il ne restera plus rien, on ne pourra plus vivre, évidemment. Mais la vie s'en sortira parce que la vie mute. Il y a plein de nouvelles espèces qui apparaissent, qui font forme des symbioses, qui trouvent des nouveaux écosystèmes pour se réfugier. Par contre, là, la nouveauté du rapport, c'est qu'ils disent. C'est l'humanité qui n'y survivra pas. Donc on est sur une trajectoire où, potentiellement, dans un siècle, bah, game over, quand même. Et là, on a du mal à l'entendre, ça. Ça paraît absurde, bah, on est là depuis tellement longtemps. Homo sapiens est sorti d'Afrique il y a 200 000 ans. Les premières civilisations du néolithique, c'était il y a 10 000 ans. L'invention de l'écriture, l'Antiquité, 5000 ans, 4000 ans. On se dit, waouh, bon, c'est bon, les cas continuent sur notre lancée. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a un moment de rupture. Là. Donc, si tu me demandes pour combien de temps on en a, mon striatum te dit, je m'en fous, c'est maintenant qu'il faut que je m'amuse. Mais mon cortex dit, bah, peut-être que ça peut être un siècle, peut-être que ça peut être deux siècles, mais en tout cas, là, on est parti sur des bases où l'existence de l'humanité est fortement compromise. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je trouve que c'est inspirant d'être ici, parce qu'on est dans un endroit qui symbolise la mort, hein, qui la met en scène, vraiment, avec ces sculptures, là, cet ossuaire. Et quand on lit les explications sur les panneaux didactiques, on voit que pédagogique, à cette époque-là, la mort, on vivait avec. C'est-à-dire qu'ils ne se demandaient pas « qu'est-ce que je me fais ce soir ?» un méga cheeseburger ou des sushis ?» Non.
Et comment ils faisaient? Alors il y avait des symboles, des cathédrales, des gens qui parfois n'avaient pas de quoi se nourrir, qui mouraient de diverses maladies, de malnutrition, mais en posant une pierre sur un édifice qui allait rester pendant des siècles. Et aujourd'hui, on s'en fout que ce qu'on fait en allant au bureau le matin dure pendant des siècles. Ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir maintenant. Et du coup, il n'y aura plus de siècles à venir. Et donc, je me dis, notre cerveau, est-ce qu'il veut juste ça? Est-ce qu'il veut juste s'amuser? Ou est-ce qu'il veut autre chose? Comment faisaient ces gens dont la vie était si fragile, mais qui croyaient ou qui pensaient qu'il y avait un autre monde, qui maniaient les symboles, l'esthétique, tout ce qui est du domaine du spirituel? Et donc, je me suis penché sur un autre pouvoir caché de notre cerveau, qui n'est pas le striatum, qui est une face plus lumineuse de notre cerveau, qui s'appelle un nom d'une grande poésie, le cortex singulaire antérieur. C'est beau, hein? Le cortex cellulaire intérieur, il va sauver le monde. Le cortex cellulaire intérieur, il va faire de nous des êtres responsables. Le cortex cellulaire intérieur, il fera de toi... Hein? Singulaire. Alors tu reprends avec singulaire. J'ai dit quoi? Le cortex singulaire intérieur. Antérieur. Il va sauver le monde. Ah, c'est que le premier couplet. Attendez, il y en a 15. Alors, le cortex singulaire antérieur, qu'est-ce que c'est? Vous voyez là, c'est bien parce qu'on voit le cerveau, il a deux hémisphères. Au milieu, vous avez une séparation, hein, ça s'appelle le sillon interhémisphérique. Ouais. Et alors, si vous descendez dans ce sillon, si vous êtes une petite fourmi, il y a là un repli de l'écorce cérébrale qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Qu'est-ce qu'il fait, lui, ce cortex singulaire antérieur? On s'aperçoit qu'il se met en action justement quand on se demande, bah, est-ce que le monde a un sens? Est-ce qu'il a été créé? Est-ce qu'il y a une intention derrière? Est-ce qu'il y a un ordre dans l'univers? Est-ce que moi, ce que je fais, ça a un sens, par exemple? Ce que je laisserai à mes enfants? Ou ce que je fais de méditoire quand je me lève le matin, est-ce que ça a un sens ou pas? Ça, c'est, cette partie du cerveau, elle s'active dans ces moments-là. C'est une sorte de capteur de sens. Alors, il y a des neuroscientifiques, des spécialistes du cerveau, qui regardent comment ton cerveau s'active quand tu te poses ce genre de questions. Si tu te les poses, hein, c'est pas... Je ne sais pas, mais beaucoup, certaines personnes se les posent. Et ça s'appelle les neurosciences existentielles. C'est une nouvelle branche des sciences du cerveau qui a une quinzaine d'années. Parce qu'on se dit maintenant, bah, c'est vrai que si tout est foutu, à quoi ça sert de continuer où on va, d'où on vient, à quoi ça sert de juste de s'acheter une nouvelle paire de baskets, une nouvelle bagnole, un nouvel vol en low cost pour l'autre bout du monde, si tout ça, finalement, est condamné à brève échéance. Et donc, cette partie de notre cerveau, elle veut que les choses aient un sens. C'est-à-dire qu'il y ait quelque chose de cohérent entre ce que je fais maintenant et ce qui arrivera demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Quand il y a une cohérence entre tout ça, elle s'apaise. Tranquille, bien. Voilà. Par contre, s'il y a une incohérence, par exemple, si toi, tu te dis... La planète est en train d'aller vers la catastrophe, mais moi, je gagne beaucoup d'argent en vendant des bouteilles en plastique ou du pétrole. Là, t'as une incohérence entre ta préoccupation éthique... Il faut que j'arrête de vendre des bouteilles en plastique faites avec du pétrole qui pollue la planète. Hein? Hein? C'est ton cortex singulaire qui va te dire, là, faut que t'arrêtes. Après, soit tu vas l'écouter, soit tu vas pas l'écouter. Alors... Ouais. Si tu l'écoutes pas, tu entres en dissonance cognitive. Ouais, ouais. T'as un conflit entre ce que tu fais et ce que tu sais, entre tes valeurs et ton action. D'accord. Très très mauvais. Voilà, le cortex singulaire, il commence à envoyer des décharges électriques qui s'appellent un signal d'erreur. Un gros signal d'erreur dans ton cerveau qui te dit « ça n'a pas de sens, c'est incohérent et on va dans le mur ». Et ce signal d'erreur ensuite fait libérer à d'autres parties de ton corps et de ton cerveau des hormones du stress. Le cortisol, la noradrénaline. Et là, tu commences à vivre un stress chronique, tu te sens mal, angoisse existentielle, burn-out, dépression, suicide. Ah ouais. Donc, attention à vivre dans le bon sens. Et alors, par exemple, pourquoi, par exemple, le patron de
je ne vais pas citer de nom, mais Coca-Cola, ouais. Par exemple, qui fait des bouteilles en plastique, hein, et qui fait du sucre, ouais. C'est pas forcément bon. Pourquoi il n'est pas mort? Alors, il y a deux choses, deux réponses à ta question. Et il y en a d'autres comme ça dont j'ai des idées. Ouais. Alors, la première chose, c'est que lui, il marche tout au striatum. D'accord. Lui, il peut le nourrir à fond. Lui peut s'acheter une bagnole tous les jours. À cause du coca, il doit boire du coca, il doit voilà. boire 3 fils de coca. Donc, il marche en sur-régime, en noyant son cortex singulaire avec l'activité du striatum qui donne beaucoup de plaisir intense dans l'instant. Quand on a les moyens de renouveler ça tous les jours en se disant « après moi le début, ok ». L'autre chose, c'est qu'il s'arrange pour qu'il n'y ait pas ce conflit D'accord. entre ses actions et ses croyances, ses valeurs. Tout simplement, il change la couleur du coca. Voilà. Non. Il va te dire « mais non, en fait, on trouvera une solution technologique, ce n'est pas si grave, le réchauffement climatique, en fait, c'est un complot ». Donc il va tordre sa vision de la réalité pour qu'elle n'entre plus en conflit D'accord. avec son activité réelle. C'est ce qu'on appelle le déni. Le déni, c'est ce que nous pousse à faire le cortex singulaire antérieur quand il veut de la cohérence et qu'il ne prend pas des décisions responsables. Il va tordre la réalité pour ne plus vivre dans l'incohérence. Évidemment, ça fait des ravages monstrueux. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on a cette partie de nous qui cherche du sens. Et qu'en fait, on peut être très heureux avec très peu de choses si on vit dans la cohérence et dans le signifiant. Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas sous l'emprise de ces hormones du stress. On ne va pas être dans le plaisir dopé à la dopamine, à la technologie, à la vitesse, à l'accélération, à la puissance, au pouvoir. On ne va pas chercher ça, on va chercher plutôt une sobriété, mais une sensation de paix. Par la cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on sait, par le lien avec les autres aussi. Ça, c'est très très important. Cortex singulaire adore des codes pour interpréter la vie en commun. Parce que ça fait sens aussi. Il n'y a rien qui est plus insupportable pour notre cerveau que de ne pas savoir comment les gens fonctionnent. S'ils partagent les mêmes valeurs que moi. S'ils vont faire les mêmes efforts que moi, par exemple. S'ils trient leurs déchets comme moi. Là, on n'arrive plus à les interpréter. On ne sait plus si on vit d'après les mêmes codes. Et le cortex singulaire antérieur, qui veut du sens, veut aussi des codes clairs. Donc, travailler sur les codes de vie en commun, en société, c'est très important. Aujourd'hui, c'est très dur. Est-ce que chacun a ses propres codes? Chacun vit dans ses petites communautés, ses petits complotistes, ses petits communautarismes, ses croyances personnelles, la sorcellerie, le paranormal, le machin, tout ce qu'on veut. Chacun a son petit noyau de code et se réfugie sur sa petite communauté. Or, le cortex singulaire antérieur veut une communauté beaucoup plus vaste, beaucoup plus cohérente, avec des codes partagés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir bosser dessus. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir que tous et toutes, ici présentes, on se tonde les cheveux, qu'on ait la boule à zéro et qu'on s'habille avec des tissus oranges et qu'on fasse... tu sais, tous les matins, avec des tambours. Est-ce que c'est ça? Le jour où tu enlèves tout le confort de vie, c'est ce genre de trucs qui permettent de vivre. On a cru pouvoir s'en passer, et on s'en est passé, mais au prix d'un pillage de la nature et d'un confort artificiel qui donne l'impression de pas avoir besoin des autres. Mais dès qu'on vit vraiment en ayant vraiment besoin des autres, on est obligé de se créer ce qui relie. Ce qui relie, et dans le latin, religere, c'est la religion. Je dis pas qu'il faut remettre des religions. C'est pas forcément transcendantal. Mais il faut remettre du lien, il faut remettre des codes clairement partagés et aussi une part de sacrifice. On sait que si on veut survivre en tant qu'espèce, il faut faire des sacrifices. On n'a pas idée, quoi. Nous, on veut pas lâcher notre confort. Et si un jour on est obligé de le faire, la seule chose qui permet de vivre vraiment en renonçant à une partie de ce qu'on a, c'est d'être certain que les autres le font aussi. Ça, c'est une notion d'anthropologie qui s'appelle le coopérateur conditionnel. Toi, Homo sapiens, vous, Homo sapiens, vous êtes des coopérateurs conditionnels. Si je vous dis maintenant, il faut arrêter de rouler en voiture et arrêter de manger de la viande et arrêter de prendre l'avion, insupportable. Sauf si on vous dit, tout le monde le fait. Voilà. Là, ça devient supportable et là, ça crée de la cohésion. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire ça maintenant, c'est inaudible parce qu'on pense encore qu'on peut s'en tirer. Mais à un moment, ce ne sera pas comme ça. Donc, alors, comment on fait? Alors, c'est ça que ça veut dire? Alors, il faut être bouddhiste? Enfin, je caricature, hein. Je suis l'avocat du diable. Ouais, je suis en train de dire qu'il faut être bouddhiste. Mais je fais ça, vous comprenez ou pas? Je fais ça pour l'embêter, pour être provocateur. Bah, ça ne m'embête pas du tout, parce qu'en fait, ça rejoint le... Oui, mais c'est mon rôle, attention. Ouais, c'est vrai. Je suis obligé de dire ça.
C'est marrant que tu parles du bouddhisme. Même de me moquer des bouddhistes, alors que je n'ai rien du tout à me moquer des bouddhistes. Oh, pas du tout, attention. Je suis bien au contraire. Bien au contraire. Non, mais j'ai des amis bouddhistes. Et je m'entends très bien. Et je les invite souvent à manger une entrecôte. Ou... Mais un bouddhiste doit pouvoir aussi faire des excès. Ça fait partie de la philosophie. Mais disons que dans le bouddhisme, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est que scientifiquement, on voit que ça produit un effet sur le cerveau. Et par exemple, il y a un truc très important quand si tu fais de la méditation bouddhiste, c'est que la méditation permet d'être plus conscient de ce qu'on fait et même de ce qu'on, par exemple, de ce qu'on mange. Si tu développes ta concentration, ta capacité à prendre conscience de ce que tu as dans la bouche, par exemple, c'est-à-dire que tu détailles les saveurs, tu avales pas d'un seul coup, tu prends du temps. Ça, c'est des exercices qu'on peut faire par la méditation de pleine conscience. Et à ce moment-là, on voit que le striatum peut commencer à donner de la dopamine, mais avec très très peu de stimulation. Il y a des exercices avec un grain de raisin. Tu prends un grain de raisin, tu mets un quart d'heure pour le susauter, le manger. Tu as de la dopamine qui coule dans ton striatum parce que tu as repris le contrôle du temps et que tu as augmenté ta sphère de conscience. Et la moindre stimulation paraît énorme. Il faut faire une sorte de reset du striatum, l'habituer à voir beaucoup moins. Et à ce moment-là, la moindre stimulation devient une source de plaisir et de dopamine. Et c'est ça le pouvoir de la pleine conscience. Alors, on n'est pas obligé de passer par le bouddhisme. Aujourd'hui, la méditation laïque permet de redévelopper les capacités de conscience sans être dans une dimension religieuse. Mais en tout cas, c'est une vraie clé pour aller vers une sobriété vraiment heureuse et, je dirais, pour renouer avec l'hédonisme, le vrai hédonisme. Le vrai hédonisme, c'est pas de se gaver, d'être dans l'orgie et la surenchère. C'est vraiment d'être capable d'être présent à ce qu'on fait au moment où on le fait. Et là, tout reprend de la saveur. Les gens qui jeûnent, par exemple, qui ne mangent pas pendant, mettons, une journée, le moment où on s'attable et où on commence à manger, même des choses simples, même en faible quantité, c'est un moment béni, quoi. C'est très précieux. Et on a perdu ça un peu par l'habitude de consommer de façon machinale, enfin, en boucle. Il ne faut plus être des machines, il faut être des êtres conscients. D'accord. Et alors comment on fait? Est-ce que donc ça veut dire ça, l'avenir? Alors il faut vraiment se bouddhifier sans utiliser de... On peut avoir des cheveux, quoi. Oui, évidemment. Quand on dit qu'il y a une prise de conscience de ces enjeux-là, alors c'est vrai, il y a la prise de conscience du fait qu'on est en train de menacer notre avenir. Mais ça veut dire quand même que notre conscience, on devrait l'utiliser plus, y compris pour ralentir, pour être moins dans la course, l'accélération des rythmes de vie, manger sur un coin de table, pour être ensuite capable de produire des rapports à l'appel, pour être dans le rendement, pour être compétitif. Tout ça, c'est en train de nous tuer. Et donc, la conscience, ça permet de se poser, de résister à l'accélération, de retrouver du bonheur, pas forcément que du plaisir, dans des petites choses. Et puis, il y a d'autres pistes. Si on revient au striatum pour le duper un peu, parce que c'est ça, hein. On peut pas vivre sans cette dopamine. Et il y a des moyens d'obtenir de la dopamine qui sont pas destructeurs. Il y a la pleine conscience, on vient d'en parler, et il y a aussi l'altruisme. On a des expériences d'imagerie cérébrale dans les plus grandes universités aujourd'hui qui montrent que quand on donne une partie de ce qu'on a, on peut avoir de la dopamine dans le striatum. Un vrai plaisir, c'est-à-dire que c'est pas douloureux de partager. Alors dans ces expériences, il y a un truc qui est quand même intriguant, c'est que c'est pratiquement que les femmes qui font ça. C'est-à-dire que si tu donnes le choix à un homme et une femme, par exemple, de recevoir une somme d'argent, et soit il garde l'argent pour lui, soit il le partage avec un inconnu, dans les trois quarts des cas, l'homme, il va garder l'argent et il aura de la dopamine dans son striatum. Mais dans les deux tiers des cas, la femme, elle va partager et elle aura de la dopamine. Donc ça veut dire que c'est comme si le striatum des femmes était câblé pour donner. Alors, on se demande pourquoi. Quel est ton avis, pourquoi, tiens? Parce que c'est dû à la maternité. Parce qu'elles vont à la maternité et elles doivent donner du lait ou des choses comme ça. Alors ça, c'est une piste, effectivement. Elle a été évoquée par des chercheurs. Hein. Tu aurais pu faire partie peut-être de... Peut-être parce qu'elles sont peut-être inférieures à l'homme. Et qu'elles n'ont pas de caractère. Peut-être. Attention. Oui, mais si l'altruisme, c'est de l'infériorité. Je suis l'avocat du diable, attention. Ouais. Non, en fait, on se rend compte que, en fait, dans 99% des sociétés sur Terre, il y a une éducation genrée.
C'est-à-dire que les petits garçons, très vite, on leur dit qu'il faut être compétitif, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Alors que les petites filles, bah, si la petite fille, elle a partagé son goûter à la colle, si elle a aidé une camarade qui était en pleurs, si elle a fait preuve d'empathie, de sollicitude, on la félicite, on lui dit c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les petits garçons et les petites filles à la surface de la Terre? On leur donne du statut social. Et rappelle-toi que le statut social, c'est ce que le striatum veut d'abord. On leur donne du statut social bah, pour les garçons quand ils sont compétitifs et pour les petites filles quand elles sont partageuses. Et donc, on va habituer le striatum des petites filles à libérer de la dopamine quand elles partagent, et on va habituer le striatum des petits garçons à libérer de la dopamine quand ils gardent les choses pour eux, quand ils travaillent pour leurs pommes, quand ils se préparent à être compétitifs pour rentrer dans des grandes écoles, pour marcher sur le voisin, pour un... Donc, ça veut dire que le striatum, il est un peu plastique, on peut le recâbler si on s'y prend assez tôt. C'est une question de normes sociales et de discours dominants. D'accord. Donc, il y a des moyens. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il... D'accord. Ouais, c'est... Et puis un dernier moyen, c'est en fait la connaissance aussi. Parce qu'on s'est aperçu, ça fait 5-6 ans, de nouveau grâce à de l'imagerie cérébrale, que quand on te fait visiter un musée, quand on te fait ouvrir une encyclopédie, quand on te regarde la voûte étoilée, et ben, si tu y passes assez de temps, et si tu es ouvert à ça par quelqu'un qui te transmet quelque chose, à ce moment-là, on commence à avoir des petites gouttes de dopamine qui viennent du striatum. Mais il faut au moins 20 minutes sans appuyer sur un bouton pour avoir de la dopamine par des vidéos YouTube, par des jeux. Et c'est une question d'attendre un peu, de ne pas être dans l'immédiateté de nouveau. Et c'est là que la bataille va se jouer, notamment pour les enfants. Les mettre en situation de s'émerveiller, mais ça passe par une barrière de l'attention. De pouvoir, par exemple, suivre un professeur qui explique quelque chose sans qu'il y ait des petits flashs lumineux et des petits bruits partout pour te distraire, non ? Simplement par la parole, par le temps, par la concentration, ça demande de l'habitude, ça demande un petit effort, mais derrière, la dopamine est au rendez-vous. Et on se rend compte, en plus, qu'à ce moment-là, elle s'écoule dans des zones voisines du cerveau, comme l'hippocampe qui code pour la mémoire. Donc, ils retiennent beaucoup plus de choses, ils repartent après, non seulement avec du plaisir, mais avec quelque chose qui leur est resté parce qu'ils l'ont appris dans une dimension de plaisir et d'émerveillement. Donc ça, c'est quelque chose qui va dépendre de notre capacité à investir massivement sur la connaissance et à apprendre aux familles aussi, aux parents, aux éducateurs, à dire attention, éteignez-les, et ces distracteurs, ces petits trucs qui vous donnent de la dopamine facile. Sachez vous faire un peu violence pour avoir de meilleurs résultats à l'arrivée. D'accord. Ah ben, y a du taf. C'est pas gagné. Tu veux faire une conclusion ou t'as encore des idées, encore des solutions? J'entends le son d'une guitare. Et cette guitare parle à mon striatum. Ouais. Ça, c'est un des rares trucs qui active le striatum avec un impact carbone zéro, la musique. On pourrait tout remplacer par la musique, si on veut. Faire du vélo et courir, par exemple. Non, ça, c'est plutôt les endorphines. C'est du plaisir aussi. C'est endorphines. Ouais. C'est du plaisir aussi, mais qui vient un peu après. C'est pas instantané. Mais c'est une voie aussi. Oui. Bon, mais il faut y aller. Faut être accro à ton footing. Tout le monde n'y arrive pas, mais ouais. Fabien ? Est-ce que ça marche? Oui. Sans la gloire qui ne prouve rien.
mais vivent sans tendresse. Il n'en est pas question. Non, 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 non. Il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs et l'amour fait des prouesses pour nous réunir. Alors sans la tendresse, je me plante. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 non. L'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui vous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent. On a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans notre immense sagesse, immense ferveur, faites-en sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour. Pose des questions, quelques questions, madame Bonneverse. Pour l'instant, elle est en retard, ma verse. Ouais, non, ça va. Non, non, elle va arriver à 20h30. On va avoir le temps. Est-ce que tu te sens capable de répondre à des questions? Ça consomme pas de carbone. Tout à fait, non, non, bien sûr. Avec plaisir. Des questions ou pas? Ah oui, oui. Ah, vas-y, monsieur. Pourquoi la musique a produit de la dopamine et du plaisir? Ah, la vraie raison. Pourquoi? C'est un vrai mystère. La vraie raison, c'est pas... Enfin, moi, je suis désolé, là, je... La musique, c'est quelque chose... En fait, si ta question, c'est... La dopamine, on voit qu'elle est libérée à chaque fois qu'on fait quelque chose qui aide à survivre. On pourrait poser la question, est-ce que la musique a aidé les hommes à survivre? Il semblerait. Ça a pu être un avantage pour séduire. C'est vrai, les Italiens, par exemple, ils sont forts là-dedans. Un témoignage, peut-être. Un témoignage séduction. Il y a l'idée de la séduction. Il y a beaucoup d'anthropologues aujourd'hui de la musique qui pensent que la musique a vraiment joué un rôle dans la synchronisation en fait, des mouvements des êtres humains dans les premiers peuples. Ça permet de synchroniser les émotions, de sentir qu'on fait partie d'un même groupe. Il y a beaucoup d'expériences qui montrent, par exemple, que dans un groupe d'humains qui font les mêmes gestes au même moment, il y a ensuite plus d'entraide. Parce qu'on a l'impression qu'on se ressemble. Et donc c'est un marqueur d'identité, d'appartenance au groupe. Et ça, ça a été sans doute un avantage pour nos ancêtres pour survivre, parce que la cohésion dans un milieu hostile repose entièrement sur le groupe et sur la bonne entente du groupe. Donc la musique, à ce moment-là, aurait pu vraiment jouer un rôle
renforcer le groupe et donc d'augmenter les chances de survie des êtres humains. Ça, c'est une hypothèse. Il faudrait maintenant voir s'il y a des preuves en ce sens qui s'accumulent. On est au début des recherches dans ce domaine-là. Mais il y a quelque chose de difficile à répondre sur la musique, c'est quelque chose d'assez magique. Mais voilà, voilà en gros ce qu'on sait. Et on voit qu'il y a du plaisir, mais là, je crois que sa question, c'était d'où il vient ce plaisir. Pourquoi est-ce que notre cerveau est devenu sensible à la musique? Voilà. Alors, pour avoir un système normalisé dans lequel on pourrait étudier la production de dopamine et d'endorphine, est-ce que les salles de fitness, où on a à la fois un groupe uni, soudé, qui écoute de la musique, et une activité physique, donc la production en même temps des deux hormones dont on parlait, est-ce que ça pourrait être un lieu d'expérience, sachant que toutes les semaines, ils se retrouvent pendant une heure pour faire la même chose d'une façon standardisée. Et tu les trouves unis et soudés, toi, en fitness. Alors, est-ce qu'ils font tous le même mouvement? Ce qui est très important, c'est que ce soit en phase. Hein. C'est vraiment très fin, la synchronie, l'empathie par la synchronie. Ouais. C'est ce qui se passe, par exemple, dans les cérémonies religieuses. Pour ça qu'il y a ces questions de synchronisation par les rituels. Les rituels aussi sont très très forts pour ça. C'est ce qui se passe dans ce qui s'est passé pendant des millénaires dans les danses de village, les danses collectives, toutes les danses folkloriques. C'est vraiment de la synchronisation. Dans les salles de fitness, j'avoue que j'ai pas assez d'observations là-dessus. Je sais pas si c'est vraiment synchrone ou si c'est. Ouais, c'est au même moment, tchac, tchac, oui, oui. Dans ce cas-là, ouais, certainement. Moi, je peux dire un truc parce que j'ai regardé un reportage sur Arte l'autre jour, sur la musique. Donc, apparemment, c'est lié, la notion de musique, c'est lié à la notion de culture. C'est-à-dire ouais. Que. Dans les grottes, par exemple, dans les grottes, les endroits où ils ont fait les dessins, c'est des endroits qui sonnent énormément musicalement. Donc ils faisaient de la musique, et donc il y avait une vibration, et les gens peignaient à ce moment-là. Et ça reliait à leur culture. Et c'est le fait d'appartenir à une culture, et le fait d'avoir de la musique, ça nous rattache à une culture, et c'est d'après Arte. C'est ça qui fait que ça se matche. Ouais, il est bien Arte. Oui, après, il y a une dimension culturelle qui est énorme. Et donc, ouais. Il y a une. Voilà. Une question précise. J'essaie de me ressouvenir ce qu'il disait Arte. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je vais revenir sur la fin de l'humanité, je suis désolée. Hein. Est-ce qu'il faut arrêter de se reproduire? Bon, alors là on entre dans le chapitre de la contraception, de l'éco-anxiété, qui est un vrai phénomène de société hein, sur une partie de nos concitoyens qui sentent la peur et l'angoisse de cet avenir de façon plus aiguë que la moyenne. Ils sont plus sensibles à ça, plus conscients souvent, parfois aussi plus anxieux à la base. Et oui, il y a déjà des gens, des jeunes qui décident de ne plus avoir d'enfants parce que c'est partie aussi des systèmes de régulation des populations, comme on le voit pas seulement chez les humains. Hein, il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux, perdrix, par exemple. Perdrix, voilà. Ça. Bon, en fonction des ressources, le nombre de petits par portée diminue, c'est des régulations automatiques. Peut-être que chez l'être humain, ça se fera par une décision consciente, délibérée. Il se pose d'autres questions. Une société où il y aurait d'un seul coup enfant zéro, ça créerait un problème de pyramide des âges qui donnerait des scènes de carnage et de catastrophe et de mort en série. Donc je pense que non, c'est pas la solution. Il faut se demander aujourd'hui, c'est de poser la question scientifiquement, combien de personnes on est capable d'héberger sur Terre? Est-ce qu'on est capable de prendre la décision raisonnée, concertée, de réguler les naissances? Et puis surtout, par tête de pipe aussi, on décide de vivre comment et de consommer comment.
les projections démographiques indiquent plutôt qu'on va vers une stabilisation quand même. Et l'enjeu, ce sera plutôt changer les modes de consommation. Mais il faut poser la question démographique, elle n'est pas taboue. Bonsoir. Bonsoir. Les questions qu'on se pose ce soir, c'est des questions qui ne concernent que nous, qui concernent l'ensemble de l'humanité. Parce qu'il y a des pays, des régions du monde, des groupes sociaux, ça ne concerne pas tout ça. Alors, ça concerne... On va dire qu'il faut arrêter la croissance, ou à certaines populations, qu'il faut arrêter de brûler du bois parce que ça détruit la planète et que le bois sert juste à les nourrir. Mm-hmm. C'est beaucoup plus compliqué de leur faire comprendre ça à eux qu'à nous. Oui, là, je parle à ceux qui... C'est pas de réflexion qui nous concerne que nous, ce genre de débat. Alors, nous, ça dépend qui vous mettez dans nous. Il y a la question du PIB qui intervient, la question de l'impact carbone des différents pays. Nous, ça va être l'Europe occidentale. Les États-Unis, c'est deux fois pire. La Chine, ils sont en train aussi de rejoindre le niveau de pollution qui est le nôtre. Donc ça commence à faire du monde. Hein. Et en plus, oui, il y a cet aspect-là. Mais je pense qu'effectivement, c'est à ceux qui vivent déjà, dont les besoins vitaux sont déjà satisfaits, de se poser la question, quelle est la limite entre mon besoin et mon désir de confort et de luxe en plus? Où est le superflu? Donc ça nous concerne en premier lieu, mais c'est parce qu'on est les premiers pollueurs de la planète. C'est les pays, l'Europe occidentale, le Canada, les États-Unis, la Chine, le Japon, le pays, le monde industrialisé, aujourd'hui, c'est lui qui doit faire des efforts, évidemment. Je suis d'accord avec vous. Mais ça touche toute la planète. Mais c'est nous qui faisons peser les répercussions les plus dramatiques sur des gens qui ont à peine de quoi se nourrir et qui vivent dans des zones du globe qui prennent la sécheresse et la pénurie et la chaleur de plein fouet. Oui, c'est vrai que je pense que c'est important de rappeler toujours que maintenant, si on raisonne chacun dans son coin, ça ne sortira pas. Oui. Oui, les responsabilités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Oui, mais ouais. L'esclavage du monde, elle nous concerne. C'est sûr. Oui, s'il vous plaît. Attendez, un micro. On ne parle pas des intérêts, c'est vrai qu'on parle du cerveau, mais il y a quand même des personnes qui ont un cerveau, théoriquement, et qui ont des industries qui peuvent faire quelque chose pour justement essayer de moins polluer. Moi, j'ai vu ça au service de la maison du parc de Bretonne, à l'époque, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est l'Estuaire, je ne sais pas quoi, où il y a des écologistes qui travaillent là-dessus, ça fait des années, et les industriels préfèrent payer des amendes tout en continuant à polluer, alors qu'il y aurait il faut mettre une usine à l'arrêt pour un certain temps, ce qui fait qu'il y aurait beaucoup moins évidemment, de bénéfices et de production moins de bénéfices. Et on en est toujours là. Pourquoi c'est toujours à nous de faire attention à notre conso qu'on nous dit acheter des voitures électriques parce que vous polluez. Mais à la base, il n'y a pas que nous qui polluons. Nous, on essaie de faire un effort par rapport à pas mal de trucs. Mais on ne parle jamais des usines. Oui, c'est vrai. Mais bien sûr. Oui. Oui. Mais oui, mais là vous parlez des contributions des consommateurs versus les contributions des systèmes de production et des États et des infrastructures. Rien que l'entretien des infrastructures d'un pays comme la France en émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus que les contributions de ceux qui mangent de la viande et qui roulent en voiture. Bon. Mais là, c'est des questions de choix législatifs et politiques. Hein, si vous voulez qu'on ferme des usines, et là, à ce moment-là, c'est la démocratie qui, à ce moment-là, doit de choisir des programmes qui annoncent clairement cette intention de changer de modèle. Et pour l'instant, il n'y a pas l'offre politique. Et donc là, on est en retard. Et la question se pose aussi, si l'offre arrive, et si c'est une offre qui est vraiment à la hauteur de ce que vous attendez, combien de concitoyens voteront pour dire « oui, d'accord ». On est d'accord pour plus avoir... des machines à café, deux réfrigérateurs, enfin j'en sais rien. Hein, mais si tout le monde le fait. Ben oui, mais l'usine.
Oui. Ou de l'avoir beaucoup plus cher. Mais, oui. Mais, oui, oui. Mais cela dit, là, vous parlez aussi d'un autre striatum, c'est celui du directeur de l'usine et des actionnaires. Donc c'est quand même encore une affaire de gros striatum, et plus ils ont d'argent, plus ils ont de gros striatum. Donc, ouais. Et peut-être qu'on aura aussi, puisque l'année prochaine nous revenons pour les rendez-vous de la cervelle, l'occasion d'aller un petit peu plus dans ce sujet-là, qui est un sujet en soi, voilà, et que là, on va peut-être essayer de conclure sur... Oui, parce qu'il y a un gros striatum qui va tomber. Je sens qu'il y a un gros striatum... Vous allez voir que le striatum, il va moins faire le malin dans quelques instants. Donc, oui, oui, pardon, on va conclure, on va rester là, tout simplement. Sauf s'il y a vraiment une question sur ce sujet. Il y a vraiment une question de dingue qui peut vraiment ouvrir un ciel étoilé. Et oui. Je te laisse introduire les remerciements, je l'ai compris très, si tu veux. Oui, voilà. On va déjà remercier Fabrice et applaudir Fabrice, pour cette œuvre, cet ancien élève, Maître Saint-Maclou, qui a fait son éducation à travers des os et des crânes. On va remercier bien sûr Sébastien Boller, on va remercier Fabienne Témeneur, on va remercier les gens qui nous font les photos. Étienne, oui, Étienne. Bon, je te fais un jeu pour... Oui, vas-y, vas-y. Je sens que ça va t'aider. Donc voilà, je voulais te dire un grand merci particulier à Gwen qui cette année m'a aidé à travailler ce programme et donc à notamment trouver cette bonne idée de Sébastien Boller qu'on a travaillé ensemble, ce programme sur l'intime extime qui se conclut après un an et demi sans vous voir. C'était long, 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 long. Et donc voilà, donc merci beaucoup à Gwen pour son aide. Et Gwen est aussi avec Didier. À la cuisine. Et je voulais aussi dire merci à Véronique qui est là-bas, Véronique aussi qui m'a donné aussi des bons conseils sur ce programme de conférencier. Merci beaucoup. Et qui nous met en lien aujourd'hui avec l'association qui nous filme aujourd'hui. Vous verrez, nous avons Sébastien et Bastien des chroniques qui réunissent. Alors si les chroniques qui réunissent, c'est pas fait pour les rendez-vous de la cervelle, si on n'était pas fait pour se rencontrer, franchement, je pense que là, on est vraiment bienvenue dans l'aventure des rendez-vous de la cervelle qui va continuer l'année prochaine. Et merci aussi particulier à Perrine, Perrine qui est notre lien, notre agent de liaison à la mairie de Rouen, et qui donc nous accompagne et nous amène dans ces différents lieux de la métropole, puisque les rendez-vous de la cervelle sont aujourd'hui ici dans Rouen, mais on se balade beaucoup. Martine, qui a été notre agent de liaison municipale pendant très longtemps, et qui maintenant est alors, une Martine. Merci Martine. Et notre Martine qui va nous suivre dans nos aventures, puisque nous sommes allés à l'atelier de Saint-Tropez, merci à eux, nous sommes allés à Cantleux, à l'ECFM de Cantleux, nous sommes allés à la maison de l'université, nous sommes allés à la Foudre, le CDN, nous sommes ici, nous sommes allés au centre André-Malraux, et c'est ça aussi les rendez-vous de la cervelle, c'est aussi d'aller dans d'autres endroits, donc vous, Rouennais, peut-être de centre-ville, n'hésitez pas à nous suivre aussi dans les voyages, il y en aura peut-être d'autres d'ailleurs avec l'année prochaine, on ne sait pas, le vaisseau ira se poser. Voilà, j'espère que j'ai bon parce que c'est terrible après de se dire, j'ai oublié. Merci Jérémy, Jérémy le bastard, les libres des pêcheurs, c'est fait, mais c'est quand même une équipe de musiciens qui nous accompagne régulièrement. Tous ces morts de la peste, tous ces gens qui sont morts de la peste, merci à tous ces gens qui ont été enterrés ici, sans qui on aurait pu avoir cet endroit magnifique d'architecture. Donc alors, vous pouvez, nous avons également un partenaire qui est l'Arbitière, qui est la librairie d'ici, et nous avons des ouvrages de Sébastien Boller, nous avons Où est le sens et le bug humain, qui sont ces deux ouvrages qui sont parus très récemment, de 2019 et 2020. Voilà, donc pour en savoir un peu plus, ce sont des ouvrages qui sont scientifiques mais très faciles à lire. Ce sont des ouvrages vraiment que je vous invite à acheter parce que c'est,
Voilà. Des fois, les ouvrages scientifiques sont un peu difficiles d'accès. Ceux-là sont vraiment très agréables à lire et à partager autour de nous, parce que là, je pense qu'on a quand même des clés intéressantes. Donc, vous pouvez aller acheter les ouvrages là, à la sortie. Par contre, j'ai pas encore tous les réflexes, j'ai pas de monnaie, c'est le bordel. Donc, j'ai pas de plastique. Voilà, si vous avez des chéquiers, c'est la monnaie, voilà, ça m'arrangera. Merci à tous, à l'année prochaine.